Les légendes boucles à Bastogne constituent une épreuve à part, différente et terriblement exigeante, populaire également, très populaire même. Et parmi les traditions de l'épreuve plantée au cœur de la province de Luxembourg, il y a la présence d'une star internationale. Pour ce nouveau millésime, c'est François Delecourt, quadruple vainqueur en championnat du monde des rallyes, qui s'y est collé. Dans la foulée de Mikko Hirvonen, Brian Bouffier, Chris Meek et Stéphane Lefebvre, cet autre nordiste hérité de la fameuse Ford Escort Mark II, immatriculée PYB106, une référence du genre sur la scène internationale, et un bolide qui a d'emblée plu à Delecourt. Oui, franchement, ça me tient à cœur. J'en ai une personnellement en plus, donc c'est vous dire, qui est en commande chez Manu Cauchy à Montpellier. Donc, et puis c'est une voiture qui m'a fait rêver du temps des groupes 4 et notamment la Belga de Robert Drogman dans les années 80, parce que je suivais, étant jeune, j'avais pas encore le permis, tout le championnat de Belgique. Donc j'allais voir Marc Nuez, Colsoul, enfin toute cette époque-là avec les cigarettiers qui étaient très présents en Belgique. Donc être présent ici pour moi à Bastogne, c'est énorme. Quoi. Et en plus, ma première participation remonte à 1982 au volant d'une 104 ZS, où le guet de la Clémentine a eu raison de mon moteur. Voilà. Alors le plateau est assez relevé, c'est le moins que l'on puisse dire ici. Quelques cadeaux locaux, spécialistes naturellement de l'épreuve. Vous débarquez, vous le sentez comment et vous jouez la gagne ici, François? Oui, mais ça me fait bien peur parce qu'effectivement ils connaissent, donc c'est toujours compliqué. Même si Lefebvre s'est imposé l'année dernière, il m'a dit que c'est pas une partie gagnée d'avance. Ça va être complexe et je pense que la Terre va être un petit peu le juge de paix le dimanche si on est encore là. Néanmoins, demain, on va les reconnaître. Hein. On va essayer de reconnaître 2-3 passages si on peut, les spéciales asphalte. Et puis la Terre, on les a faites à la vidéo, un petit peu comme tout le monde. En tout cas, comme tous les gens comme nous qui venons de l'extérieur, on a essayé de faire des notes approximatives à la vidéo. Pour cette édition 2023, l'épreuve mise sur pied par le Royal Automobile Club de Spa a renoué avec la place Macauliffe et surtout ses événements festifs du vendredi soir. Dès 18h, dans le chapiteau aménagé pour la séance de dédicace, les chasseurs de souvenirs, d'images et de signatures se pressaient afin de découvrir les têtes d'affiche. Et avec 241 engagés pour 222 voitures effectivement au départ, on pouvait parler de grandes et belles réussites. Dans tout le contexte économique mondial et les difficultés qu'on peut avoir, je crois que c'est le plus grand rallye de Belgique. Il n'y a personne qui a autant d'auto que nous. C'est une fierté et aussi un remerciement aux amis de nos fidèles participants. On a même compliqué avec le règlement, les 65, avec l'arceau et tout. Et malgré tout, on a quand même énormément d'auto et un plateau d'excellente facture. À peine la séance de dédicace achevée, les fans se ruaient dans l'artère commerçante de Bastogne afin de ne pas perdre une miette de l'Expo Parade réunissant tous les bolides. Combien étaient-ils au cœur de la ville? 15 000, 20 000, plus encore? Ce qui est certain, c'est que la foule des grands soirs était de retour. La liste des favoris des légendes boucles à Bastogne 2023 l'était assurément. Mais dès les premiers kilomètres de l'étape de samedi, l'écrémage débutait. Fred Capras disparaissait d'emblée, tandis que Guylain Demivus perdait du temps en raison d'une crevaison. À peine mieux pour Marc Duhay, dont la Ford Escort rencontrait des ennuis de frein dès samedi matin. Pendant ce temps, François Delecourt signait le premier scratch du week-end avant d'être débordé par Cédric Cherin au classement général.
Au cap de la mi-journée, c'était la stupéfaction avec le retrait de Delecourt dont l'escorte rencontrait des soucis d'injection. Exit la star internationale des Legends Book 2023. En fait, la première étape, intégralement disputée sur asphalte, sonnait le glas des espoirs de plusieurs concurrents de pointe, à l'image de Bernard Munster, qui devait procéder au remplacement de la boîte de vitesse de sa Porsche 911. Quant à Tom Boonen, ex-champion du monde cycliste qui effectuait ses grands débuts en rallye, il souffrait du côté de l'embrayage, mais pouvait heureusement poursuivre sa route et son apprentissage. Parmi les régionaux de l'étape, outre le forfait de Pirot et le rapide abandon de Capras, on relevait les ennuis d'embrayage fatales à Frédéric François. Pas mieux pour Julien Hellebout et le journaliste de Classique 21 Dominique Dricot, dont l'escorte rencontrait des ennuis d'allumage dès le premier RT, avant d'être victime d'un contact qui avait raison du valeureux bolide. L'ultime victime majeure du jour était Olivier Cartel, excellent troisième du classement général, jusqu'au moment où une bobine d'allumage le contraignait à l'immobilisation sur la liaison entre les RT 9 et 10. Résultat, au terme de la première étape, c'est Cédric Chorin qui menait la danse de manière confortable, tout en étant pleinement conscient que le plus dur était encore à venir. C'est dommage pour le suspense, évidemment, parce que j'aurais quand même bien voulu voir Fred ce qu'il pouvait faire, mais parce qu'il était assez motivé. Donc après, on a repris la tête après la troisième spéciale pour ne plus la lâcher jusqu'à la fin de journée. Donc c'est une super journée pour nous. Oui. Deuxième du classement général, Stéphane Stouff, vainqueur des Legends Book de Spa en 2011, pointait déjà en ordre très utile, attendant avec impatience les RT forestiers du dimanche. On a fait une bonne course et j'ai roulé toute la journée mon rythme. On a eu quelques petits soucis, mais à mon avis, on a fait un bon jour de rallye. Donc demain, il y a encore beaucoup à faire. Hein. Quant à Christophe Dacot, dauphin de Stéphane Lefebvre un an plus tôt, il s'imposait comme le meilleur des régionaux au troisième rang provisoire. On a eu des problèmes ce matin, j'ai fait un gros tête à queue, j'ai perdu 30 secondes. La deuxième, j'ai eu du mal à me remettre dedans parce qu'il fallait rattraper la confiance. Puis après, petit à petit, ça est revenu et j'ai pas essayé d'aller vite. Je voulais surtout pas faire d'erreur, c'est tout. Pour que ça se termine pas trop mal et surtout ménager la mécanique parce qu'on a déjà fait deux démarreurs. On a un petit peu des problèmes de transmission. J'ai fait une boîte au Spa Rallye, j'ai pas envie que ça se pareille ici. Donc les mécanos vont bien travailler cette nuit et puis on est reparti demain. La suite du top 6 provisoire était tout aussi imprévisible avec Emil Breitmeier, excellent quatrième, devant Guino Kenis, apportant un peu de variété avec sa BMW 325 IE30, et le français Eric Mouffray qui allait de découverte en découverte sur un parcours ne lui étant pas du tout familier. Du côté de Guylain de Mivus, les chronos avaient du mal à suivre après la crevaison matinale et il y avait clairement une explication. On l'a déjanté dans la première spéciale au tout début et en fait on s'est rendu compte
Seulement maintenant, le courant de la soirée, qu'on a abîmé notre différentiel et notre pont arrière. Donc ça fait depuis ce matin qu'on se plaint et on n'a pas de grippe, on n'a pas de grille, la voiture est bizarre. On a enfin compris. Du coup, c'est très frustrant parce qu'on a roulé la journée en panne et pas moyen d'attaquer, pas moyen de faire un temps correct. Et je suis assez frustré, ouais. Même constat pour Marc Duhay, qui n'en perdait pas pour autant son légendaire sens de l'humour. On a dû faire deux spéciales avec ce problème-là. Et ensuite, on a dû demander la pièce cassée à une autre équipe. Et puis, on a bien monté tout ce qu'il fallait. Par contre, avec le système de notes de l'organisation et tout, on n'a pas facile. Et on est hésitant. Il ne faut pas hésiter ici. Mais sinon, c'est pas mal. La voiture va bien. Je manque un peu de couple. Pas chez moi à la maison, mais ici sur les spéciales. Quant à Jean-Pierre 22, il tirait le maximum des 170 chevaux de sa toujours originale, l'ancien Beta Monte Carlo, qui disputait à Bastogne sa toute dernière épreuve. Ça a été, ça glissait, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément de cordes qui se sont dégradées. Et comme on est avec des pneus hiver, il faut faire attention de ne pas crever. Mais autrement, c'était beaucoup de spectateurs. C'était, je crois que eux sont bien régalés, je crois. Du spectacle au cours de la première journée revenait assurément à la monstrueuse Chevrolet Corvette C3 Stingray domptée par Patrick Sneijers. Pas du tout le genre de bolide taillé pour une telle épreuve, mais un excellent top 10 provisoire. La belle américaine n'allait cependant pas repartir le lendemain. On s'est bien amusé, la Corvette s'est bien comportée. C'est pas la voiture idéale en fait, mais c'est une voiture fantastique, c'est le chouchou du public. Et je me suis bien amusé avec Davy. Et c'est grâce à Wim de Stock Depot qui était normalement copilote, mais il était un peu malade, qu'on pouvait rouler avec cette belle voiture. Si l'étape dominicale débutait par l'annulation du RT11 pour raison de sécurité, Cédric Cherin donnait l'impression de parfaitement gérer son avance, filant vers une victoire amplement méritée, jusqu'au RT13 à Saint-Aude, où le pont arrière de son escorte Mark II cassé à la réception d'un jump. C'est super décevant, mais j'ai assez d'expérience en rallye pour savoir qu'une course n'est jamais finie avant le dernier TRC, et encore la preuve aujourd'hui. C'est le côté hyper frustrant de ce sport, mais il faut l'accepter, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Y a des choses évidemment plus graves, mais c'est sûr que c'est frustrant parce que j'aurais vraiment voulu accrocher cette victoire à mon palmarès, mais voilà, ce sera encore pour une autre fois. Dans ces conditions, Stéphane Stouff et Joris Erhardt ne laissaient pas passer l'occasion de doubler la mise au palmarès de l'épreuve, ajoutant une deuxième victoire 12 ans après la première. Expert de la Ford Escort Mark I, dont son exemplaire est sans doute l'un des meilleurs d'Europe, le pilote standais, malchanceux l'an dernier, a confirmé ce week-end qu'il reste l'un des grands spécialistes des rallyes historiques au format XXL. Thank you.
het was zeer belangrijk van geen fouten te maken. Nee. En ik ben van, ja, ik ga ervan uit als je zo'n rally start zoals hier en je werkt van de eerste proef de snelste zijn en op kop van het klassement staan, is het moeilijk om dat ritme vol te houden tot aan de finish. Ten eerste is ook met oude wagens dat we rijden, dat is wel allemaal goede mechaniek. Maar toch is het, ja, zijn toch fragiel die auto's. Zeker op parcours zoals vandaag moet je altijd een beetje in het achterhoofd houden dat je mechaniek moet een beetje sparen en zien hoe ver dat je geraakt. Hè. Preuve ultime du côté imprévisible des légendes boucles à Bastogne, alors qu'on pensait le top 3 général figé, l'ultime RT, les 22 km de Lunch Garden Libramont, voyez Guino Kennis et Björn Van Overskel sortir l'artillerie lourde pour signer un chrono d'anthologie leur permettant de prendre le meilleur sur les escortes Mark II de Christophe Dacco et Emile Breitmeier. Magique. La dernière est spéciale aussi, le moment qu'on a dit dans la finish. Je vois à votre visage devant le départ, ça casse ou ça va. Et ça va, et je prends le temps. Et aussi, mais dans la deuxième place, c'est incroyable, bon oui. C'est un rallye assez fou finalement, ce parcours. Vous en avez pensé quoi, Guillaume? J'aime le parcours, j'aime ici le côté. Et pour moi, le dimanche en terre, c'est en plus de kilomètres, j'aime ça. Et aussi encore une spéciale de 40 km, ça c'est très bon. Victime d'une crevaison à mi-parcours dans cette ultime spéciale, Christophe Dacco glissait de la deuxième à la troisième place pour 3 petits points seulement. Désormais copiloté par Steven Spitals, le citoyen de l'église confirmait néanmoins son podium de l'an dernier. Comme je disais aux journalistes avant, bon voilà, maintenant, chacun a eu beaucoup de malchance. Hein. Il y a des gens qui ont eu beaucoup plus de malchance que moi, Cédric, Olivier Cartel et bien d'autres. Ouais, donc je peux vraiment pas me plaindre. Ici, j'ai pris un petit risque. Je savais que la spéciale était longue. J'aimais bien la spéciale. Les vidéos, je les aimais vraiment bien. Je les avais vraiment bien en tête. Je me dis, je vais jouer le tout pour le tout. Petit coup de poker. Je dis, Stéphane, éventuellement, il pouvait faire une erreur. Donc sur 23 km, je me dis, il y a moyen de faire quelque chose. J'ai attaqué, mais attaqué trop fort, j'ai crevé. Voilà, il y en a, c'est pas crevé qu'ils ont fait, c'est cassé. Donc j'ai fait la moitié de la spéciale crevée. On a essayé de limiter les dégâts. Ça devenait très dangereux, j'ai même fait un tête à queue. Et bon, ben, Guido repasse pour une ou deux secondes, enfin je sais pas, 2 points je crois. Et on termine 3, c'est pas si mal, voilà. À Emil Breitmeier, il échouait au pied du podium, avant tout satisfait de rentrer à Bastogne avec une voiture intacte. Mais les progrès sont manifestes et le jeune pilote est l'un des plus sûrs espoirs des Legend Boucles en vue des prochaines éditions. Très compliqué, dernière spéciale sur la terre, très grasse. J'avais jamais roulé de ma vie dans ces conditions-là, donc c'était une découverte, c'était vraiment pas évident. Donc on est content déjà d'avoir ramené la voiture en un morceau parce qu'on a fait des longues dérives et c'était dur de la garder sur la route. Excellente prestation de Sébastien Cardona, qu'on n'attendait pas nécessairement, pareil fait. Auteur d'un écart de trajectoire dans le deuxième passage de la Roche en Ardennes samedi après-midi, un Cardona n'a jamais rien lâché, ce qui se traduit par un plantureux top 5 absolu. Clairement une petite surprise pour nous aussi. Hier, quand on a commencé la première spéciale avec le troisième temps, on s'est dit bah, ce qu'on te fait, c'est pas si mal que ça. Voilà, une petite erreur hier dans la sixième spéciale nous coûte un peu beaucoup. On aurait pu faire un podium, mais bon, on est heureux d'être là. On avait dit à top 15 avec mon copilote et ici, on fait ça, donc super content.
C'est finalement Guylain de Mévus qui a complété le top 6 final après s'être montré le plus rapide dans Lunch Garden Libramont. Une belle consolation pour le pilote Géraliti après la crevaison de début d'épreuve et les difficultés rencontrées tout au long de la première journée au volant d'une voiture au comportement altéré. Quant aux Français Éric Monfray et Anne Brahi, ils ont pu goûter aux spécificités et difficultés des légendes Boucle-la-Bastogne, terminées en 7e position. Le duo hexagonal devançait Fred Bouvier et Jean-Louis Hautelet, qui n'ont rien lâché jusqu'au dernier mètre avec la dernière acquisition du tout château bruxellois. Pouvaient aussi être fiers d'intégrer le top 10 absolu avec leur belle Ford Escort Mark II aux légendaires couleurs. Que dire alors de la prestation de Nicolas Blaireau et Mélissa Poncin, impressionnant d'aisance avec leur Lyon et inattendu 10e du classement général final. En dehors de ce top 10, on remarquait le 11e rang de l'Opel Ascona de Christophe Deleu, toujours bien valant au moment du sprint final. Le bolide au blitz devançait Olivier Breitmeier, le papa d'Emile, qui confirmait l'omniprésence de la famille dans les hautes sphères du classement. Le prix de la malchance en fin d'épreuve revenait assurément à John Wartick, qui glissait de quelques places après un écart de trajectoire dans l'exigeant RT15 Lunch Garden Libramont. Wartick terminait néanmoins devant Yves Maton, qui s'est remis dans le bain au volant de la Porsche 911. Une fois encore, le meilleur représentant de la famille Glaude était Guillaume, dont la Volvo 142S finissait par se positionner dans le top 15 absolu. Ça, c'est pour la catégorie Legend, mais des courses dans la course, il y en a plusieurs à Bastogne. Et du côté des Young Timers, Charles Blaireau et Antoine Dauby ont une fois encore dominé avec leur BMW 320 IE30. Un bris de goujon samedi soir aurait pu tout compromettre, mais il n'en a rien été. C'est super bien passé pour nous, hein. on peut pas dire le contraire. Au matin, on pensait pas ça. Bon, on pensait pas ça. On a quand même remarqué hier soir avec plaisir qu'on n'était pas trop loin, quoi. Donc on s'est dit, bon, on va quand même jouer un peu et tenter, quoi. Le duo à la bavaroise a pris le meilleur sur l'impressionnant Opel Omega 3000 de Stéphane Hubin et Eric Defourny, qui savent désormais à quoi s'en tenir et qui sont bien décidés à tout mettre en œuvre pour s'imposer l'an prochain. Mais clairement, il était beaucoup, beaucoup plus rapide que nous. Il a une expérience ici que nous, on n'a pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment venu cette année pour apprendre, comprendre. On a toujours roulé en ASAF. Moi, j'ai toujours roulé en ASAF. Ici, c'est vraiment spécifique au niveau des suspensions, au niveau des recos, au niveau du parcours. Vraiment, les parcours comme ça sur terre en ASAF, on n'en a jamais. Donc, c'était vraiment une année d'apprentissage. On savait que Charles allait super vite ici, l'expérience qu'il avait aussi, notre préparation qui était quasi nulle. Donc, maintenant, on sait l'année prochaine un peu comment amener les choses. Et ouais, on est des compétiteurs dans l'âme. Donc, la deuxième place, c'est cool, hein. La première, c'est quand même vachement mieux. C'est la chantante BMW 320 IE30 de Simon et Paul Pulp qui a complété le top 3 final.
rebondissements, il en a aussi été question en Challenger où l'Alfa Romeo GTV 6 de Dimitri Vanhoof et Lionel Windershausen, qui filait vers la victoire, a été victime d'une crevaison dans l'ultime RT. Il n'en fallait pas plus pour que d'autres régionaux, en l'occurrence Michael Majerotte et Arnaud Hiwi, imposent leur Ford Escort Mark II. Une belle concrétisation pour cet équipage dont le jusqu'au boutisme au fil des éditions est enfin récompensé. On l'attendait celle-là. L'an dernier, on aurait bien voulu jouer aussi la victoire l'an dernier. On se bataillait dans le top 3. Déjà avec Jean Combe, etc. Et puis on a eu des soucis l'an dernier dans un spécial de Saint-Aude où je dois sortir de la voiture, me enlever le harnais, tout pour un fil à la bobine qui se détache. On rebranche tout et puis on fait le reste de la spéciale à fond, à fond, à fond. Et on échoue quatrième. Mais bon, voilà. Et cette année, oui, elle fait plaisir. Michael Majerotte et Arnaud Hiwi Quant à Jean Combe Teys et Laurent Perret, vainqueurs en 2022, ils sont revenus de nulle part après une pénalité engrangée samedi pour avoir traversé trop rapidement une slow zone. Elle est juste parce que clairement, il y en a beaucoup qui peuvent dire « Ouais, c'est pas juste, c'est pas juste, ils font ce qu'ils veulent, machin. » Au final, on a contrôlé hier soir l'embarqué et clairement, on sort 6 secondes trop tôt de la slow zone, donc à juste titre. Voilà, c'est enrageant parce que je pense qu'on était... On était, je pense, les outsiders sur ce rallye, en effet, dans notre catégorie. On a, je pense, gagné une bonne paire de spéciales d'RT. Dans la dernière, on pensait qu'on n'allait pas faire zéro. On s'est pas occupé du timing, on est passé 10 secondes en avant. Donc on se prend 20 points dans la dernière. Mais bon, voilà, et ça n'aurait quand même rien changé. Je pense que la spéciale du matin qui a été annulée par ces gens que je ne vais pas... Il n'y a pas de propos parce que je suis enragé pour ce genre de choses. Et une spéciale supplémentaire qui a été retirée, là, je pense que ça aura... On aurait pu jouer la victoire devant malgré notre pénalité de 300 points qu'on avait pris hier soir. Donc voilà. Le podium de la catégorie Challenger était complété par Gaëtan Monceur et David Anquet, trop heureux de leur grand début dans le classement à 80 km/h de moyenne. On n'espérait pas un podium clairement parce que voilà, la première fois qu'on roule en Challenger, on a été très régulier, on n'a pas fait de faute et donc voilà, grâce à ça, on termine sur le podium. On n'avait pas la meilleure pointe de vitesse clairement, hein. Les escortes allaient plus vite. Mais voilà, on est super contents, c'est génial pour nous. Avec Gaëtan Monceur et David Anquet. Alistair, la passion comme ça. En classique 65, l'augmentation de la moyenne a donné du fil à retordre à la majeure partie des équipages, surtout dès l'instant où des slow zones étaient de mise. Il a dès lors fallu attaquer pour espérer l'emporter. Déjà leader samedi soir, Gaëtan Schoenbroth et François Guélen ont confirmé le dimanche, rendant de la sorte un superbe hommage à Joseph Lambert, parti quelques jours plus tôt. Je ne sais pas si c'est lui qui nous envoie un peu de gouttelettes, mais je crois qu'il doit être vachement fier de vous, messieurs. Bravo, en tout cas, et merci Joseph Lambert pour tout ce qu'il a fait. Je rends le micro à Thomas. C'est lui qui m'a appris il y a 10 ans la régularité, c'était le copilote de mon parrain. Donc j'ai décidé avec les autres de la catégorie à faire cet autocollant-là et j'aurais bien aimé pouvoir lui envoyer un mail comme je fais chaque fois quand je gagne, mais bon voilà. Mais oui, c'est grâce à lui, c'est sûr.
résultat, c'est aussi parce que Joseph l'a voulu et Joseph a tout mis en œuvre pour qu'on puisse réaliser tout cela. Comme le veut la tradition, les écarts sont restés très faibles d'un bout à l'autre de l'épreuve. Éric Jangou et Didier Gattis se sont offerts la médaille d'argent, preuve que dans ce genre de catégorie, une voiture telle que la Volvo 142S peut plus que jamais tirer son affaire. Très content du résultat, parce qu'au départ on ne pensait pas terminer à une si belle place. Et c'est un très chouette rallye, très, très sportif maintenant à 65 quand même. Oui, alors la question qu'on pose à tout le monde, c'est quoi le bilan de ce passage de Classique 60 à Classique 65, vous en pensez quoi? Par moment ça devient un rallye de vitesse pour nous, surtout après des slow zones qui nous font perdre beaucoup de temps et c'est pour qu'on puisse mettre les gaz et s'amuser après. Ah, vous avez fait une bosse? Regardez bien. Au bout des 15 RT très exigeants des légendes boucles, ce sont Claude Nilan et Christophe Simon qui ont complété le podium, un résultat bien au-delà de leurs espérances. Les Français Christophe Baillet et Pierre Colliard ont de leur côté échoué juste en dehors du top 3, néanmoins satisfaits d'être arrivés au bout. C'était une édition un peu exceptionnelle. Hein. On est passé de 60 à 65 et on voit la différence. Donc on était en glisse, plus la pluie, plus... Donc dur, condition très dure. Le duo hexagonal devançait les régionaux Michael Weiler et Anne Meunier sur BMW 1602, Benoît et Denis Renier sur BMW 323i, Michel Gillard et Jennifer Hugo sur BMW 323i, ainsi que le Français Christophe Berthelot, associé à Baptiste Jangou, sur Porsche 911. Le chassé croisé a été intense en Classique 50, entre des personnes qui s'apprécient et qui ont pris bien du plaisir à se disputer la victoire. Vainqueurs l'an dernier, Dominique Dufrane et Isabelle Denis ont eu le dernier mot face à Patrice Simon et Christian Bernard, mais cela s'est joué à peu de choses. On s'est vraiment bien amusé, quoi. Belle bagarre, il était tout le temps devant, il faut dire ce qui est. Il a un petit peu eu du mal hier dans le brouillard et dans la pluie, donc on a profité pour prendre une dizaine de secondes. Qu'il a essayé de rattraper tout doucement la journée, mais bon, on ne s'est pas laissé faire. Quoi. L'essentiel pour ces équipages de pointe a néanmoins été la convivialité qui a régné en maîtresse absolue deux jours durant. Une petite erreur dans la dernière de samedi. Et bon, voilà, ça aurait pu nous placer premier, mais bon, voilà, avec des si, on va toujours gagner, bien sûr. On s'est super bien amusé, mis à part ça, une chouette bagarre avec des amis. Et ça a été un merveilleux week-end, un merveilleux souvenir. Le top 3 était complété par Boris et Arthur Vinette, qui ont pris le meilleur sur la Saab 99 de Thierry et Michael Demortier, ainsi que la Renault 5 Alpine de Rick Dumortier et Pablo Craco. Rideau sur les légendes boucles à Bastogne 2023, qui ont renoué avec le succès populaire. Et vivement la suite.